Good morning. Allez, Yidan, et tu seras aujourd'hui le Lunishmat Moriver Bishmol Ben Shlomo Zalman, Nissim Ben Nahuda, Sarah Batran Rachel, Shlomo Ben Esther, Risha Batraim Nechemia, Lor Lea Bat Beila, Shalom Ben Chbiba, ainsi que l'Irfat Abraham Rui Ben Rout, Betor Shachol Israël. Si vous souhaitez aussi déjà une prochaine étude de Mishnah, contactez 5 minutes éternelles. Nous étudions Maserhet Zvachim, Perek Yud Alef, Mishnah Zain. Echad Shebishel Bo Ve Echad Sheera Letocho Brotech. אחד קודשי קודשים ואחד קודשים קלים טעונין, מריקה ושטיפה. רבי שמעון אומר, קודשים קלים אינן טעונין מריקה ושטיפה. רבי טרפון אומר, אם בישל בו מתחילת הרגל, יבשל בו את כל הרגל. והחכמים אומרים, עד זמן אכילה, מריקה ושטיפה. מריקה כמריקת הכוס, ושטיפה כשטיפת הכוס. מריקה בחמין ושטיפה בצונן. Beaucoup de sujets dans cette Mishnah, on va faire un petit peu d'ordre. Déjà, on traduit tout de suite le début. Echad shebishel bo ve echad sheera letocho roteach. Qu'il s'agisse d'un ustensile, shebishel bo, dans lequel il a cuit, sur le feu donc, ve echad sheera letocho roteach, ou encore un ustensile duquel, dans lequel il a versé quelque chose de bouillant. Ou encore, Echad Kodshe Kodashim, qu'il s'agisse de Kodshe Kodashim, des korbanot qui ont un degré de sainteté très fort, Echad Kodashim Kalim, ou les korbanot qui ont un degré de sainteté inférieur. Kodashim très fort, c'est va être Khatat et Hacham. Oh là, on ne fait pas cuire parce qu'elles montent sur le Mizbeach. Khatat et Hacham, et les Kodashim Kalim, ça va être Shlamim, Toda, Bechor, Maaser, Pesach. Tout cela, tous ces ustensiles, Teunin, Merika ou Shtifa, il va falloir, il faudra leur faire la Merika et Shtifa. Merika, l'imrok, c'est qu'on l'a lavé et Shtifa, rincé. Lavé et rincé, et on va expliquer tout ça c'est quoi, ne vous inquiétez pas. Mais pour le moment, je vais aussi continuer avec Rabbi Shimon. Ça va nous permettre ensuite de rentrer dans les données véhiculées par le Barthénora qui sont essentielles pour comprendre. Le principe de l'Amérique et Shtifa. Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon enseigne Kodashim Kalim enan teunin merika ou Shtifa. Selon Rabbi Shimon, les Kodashim Kalim, les korbanot d'un degré inférieur, donc Toda Shlamim et Bechor Maaser Pesach, enan teunin merika ou Shtifa, ils n'ont pas besoin de faire l'Amérique et Shtifa. Et là, on met un petit arrêt et on explique exactement ce qui se passe. La Torah l'a insisté, Vechol Kli, Vekli Cheres, Asher Tovshal Bo Ishaver, Vechol, ou Vekli Nechoshet, je ne sais plus comment c'est dit, bon, on a déjà perdu le verset, Perek Vav, Pasuk Raf Alef, à peu près Raf Bet, on est arrivé plus ou moins, ou là-bas on parle d'un Kli Nechoshet, ou Morak Veshutaf Bamaim. Il faudra faire Merika et Shtifa, qui sont deux formes de lavage, de cachérisation. Alors, cachérisation, on va d'abord parler de la cachérisation en général. Et c'est en cela où ça va entrer pour Rabbi Shimon. Cachériser en général, lorsqu'on fait à Pessah, on va prendre une casserole de Hametz par exemple, on va vouloir la rendre cachère pour Pessah. Qu'est-ce qu'on fait? On ébouillante de l'eau chaude et on trempe l'ustensile dedans. Et comme ça, on a fait la Hag'ala. D'accord? Hag'ala, le mot Hag'ala, ça vient de Mag'il. La Hag'il, c'est être polette, je ne sais pas comment dire, faire ressortir, dégurgiter. D'accord? Ça, c'est le mot agala. Maintenant, quand on a fini la agala, en théorie, il n'y a pas besoin de le rincer ensuite à l'eau froide, aucune nécessité. On se concentre avec le problème de kashrout, on fait sortir ce qui a été absorbé. Si vous allez vous retrouver avec un ustensile où il est possible, par exemple, que ça a absorbé que d'un côté de l'ustensile, uniquement, eh ben vous devrez faire la agala de ce côté de l'ustensile sans faire l'autre. Imaginez, on va prendre une cuillère, ouais, une grande cuillère où il y a eu de l'interdit qu'un mahal assour qui est tombé sur le bout de la cuillère, par exemple. Et bien là, la khal va vous dire de faire quoi? Pas dans le cas où vous l'avez mis dans la casserole, d'accord? J'insiste, j'ai versé d'une casserole chaude où il y avait dedans du mahal assour, j'ai versé, ça touchait le bout de la cuillère. D'accord? Que le bout de la cuillère. Et bien souvent, la khal, vous prenez le bout de la cuillère, vous le trempez dans l'eau bouillante, et vous avez fait la hagala. Vous l'avez cachérisé, c'était pas la peine de laver l'autre partie. Ça, c'est pour la Hag'ala en général, où le principe de la Hag'ala consiste uniquement à faire ressortir le goût qui a été absorbé.
Pour les korbanot, quand la Torah nous a dit de faire Merika ou Shtifa, elle nous a dit en fait de faire quelque chose d'un peu spécial. C'est une Xerat HaKatuv. Dans la mesure, c'est un décret. Vous voyez comme il y a des halachot dans Chukat, c'est un décret. C'est comme ça. Il n'y a pas de raison palpable pour nous. Bien sûr que toute la Torah a chacune des raisons très profondes. Mais en tout cas, dans les Chukim, on les considère que c'est comme ça. On n'a pas la capacité de les comprendre. Un jour, au monde futur, on les comprendra. Il y a des raisons très profondes. Mais pour le moment, en état, on ne peut pas les comprendre avec notre petit cerveau humain. C'est des décrets d'Hachem. Et bien, selon le même principe, il y a une Xerat HaKatuv aussi, qu'au Beth Amikdash, la Torah l'a parlé lorsqu'on a absorbé du Khatat, alors elle insistait, elle te dit tu feras Merika ou Shtifa. C'est quoi Merika ou Shtifa? On en parlera dans la suite de la Mishnah. On dira, il y a deux avis. Je vous le dis tout de suite, ça va porter dans le fin de ce Barthénora, justement, le long Barthénora, où il va vous dire regardez, passez directement à la fin si vous voulez. Yesh, Miché Omer, Merika Agala Bechamin, Veshtifa Betsonen. Il y en a qui va nous dire Merika, le mot Merika. C'est faire comme. C'est faire épurer. Ça veut dire, ça fait avec de l'eau chaude. Ça, c'est Merika. Et Shtifa, c'est que tu le rinces à l'eau froide. Betsonen. Il y en a un autre qui va nous dire non, tu fais la gala d'abord et après tu fais Merika ou Shtifa, c'est que tu laves extérieurement et intérieurement. C'est ça le mot Morak ou Shtav. D'accord. En tout cas, il y a une insistance sur la Torah de le faire de la sorte que lorsque tu vas vouloir faire ressortir le goût qui a été absorbé d'un korban, alors tu vas devoir le faire avec une allure de Xerat HaKatuv. Tu vas faire la Hagala, et puis ensuite tu vas le laver dans l'eau froide. Et là, cette fois-ci, puisque c'est une Xerat HaKatuv, alors même si ta cuillère elle a absorbé que le petit bout, tu devras la faire entièrement. Le Barthénora, il va nous compter comme ça, trois différences, halakha très importante aussi. Hagala, si un jour vous êtes bloqué avant Pessah, vous n'avez plus d'eau dans le robinet, vous voulez faire une Hagala, et bien vous pouvez prendre aussi du vin pour le faire. Ouais, ça apporte ici dans le Barthénora. Afilo Beyaïn, Afilo Mazouk, Mazouk, en fait, vous ébouillantez du vin, vous trempez dedans votre cuillère de lissour, ça marche aussi pour faire la gala. D'accord? Il y a même un rabbin qui veille qui parle de faire ça avec du lait, pour vous donner une idée, quoi. D'accord? Donc, là, il y a des problèmes que c'est plus gras. Donc, lorsque le liquide devient gras, alors on ne peut plus faire de la gala. Mais en tout cas, on s'annexe. On peut le faire avec même du vin, on peut faire une gala si on veut. Alors que quand c'est Merika ou Shtifa, qu'avec de l'eau. Le Barthénora, il compte trois différences. Donc, qu'on peut faire même avec du vin, une agala classique, Merika ou Shtifa, qu'avec de l'eau. Deuxième différence, pour une agala classique, l'endroit qui a absorbé, vous le cachérisez. Tandis que quand c'est Merika ou Shtifa, il faut faire tout l'ustensile. Et troisièmement, donc, comme ce qu'on a dit, laver ensuite à l'eau froide ensuite. D'accord? Alors maintenant, on peut revenir sur la Mishnah. La Mishnah me dit, attention, quel que soit le type d'absorption, que ça ait absorbé parce que tu as fait cuire sur le feu. Ou encore que ça ait absorbé, pas parce que tu as fait cuire, mais que tu as versé dessus de l'eau chaude. Ou un liquide chaud avec du khatat. Imaginez par exemple, vous avez dans la Hazara, les Kohanim, quand ils s'apprêtaient de manger, quelqu'un il est venu avec la casserole dans laquelle elle a fait cuire, il a versé ça sur un plateau. D'accord? Tout à fait légitime, tout à fait normal. Le problème c'est que le kli, il est kli rishon. Lorsqu'il va verser sur l'ustensile, ça s'appelle Irui Kli Rishon. Ce qui est versé du Kli Rishon, il s'avère que le plateau aussi l'absorbe. Il lui faut une cachérisation. Comment est-ce qu'on va cachériser cette fois-ci? De nouveau, strict, Agala entière et Merika ou Shtifa. Quoi. Même ensuite, on lave à l'eau froide. D'accord? Vous avez compris le principe? C'est ce que la Mishnah est venue m'insister en me disant, quel que soit le type de cuisson que tu aies fait bouillir ou que tu aies versé dessus. Et je vous dis tout de suite, la dernière phrase de la Mishnah, et même ce que tu as grillé. Il y avait des shfoud, comment ça s'appelle, des broches, comment on, des pics avec lesquels on fait les des broches, j'imagine, c'est dire. Il y a un mot, je l'ai oublié, c'est pas grave. Des shfoud, des shipoudim, d'accord, des brochettes, voilà. On avait des bâtons de brochettes, et vous avez fait votre viande avec. De nouveau, aussi, Merika ou Shifa, vous devrez faire la gala. On en reparlera après, quand on arrivera à la fin de la Mishnah. Pour préciser pourquoi est-ce qu'il faudrait pas faire l'iboun. En tout cas, de nouveau, même le chipoud aussi, qui a été passé au feu, on fait la même chose aussi, tu le fais Merika ou Shtifa, tu le fais la Hagala, et après tu le trempes dans le fad. C'est clair? Maintenant, entre parenthèses aussi, on a maintenant découvert une nouvelle marloquette. La Torah laisse s'exprimer en parlant du khatat. Chachamim ont pris le principe, et l'ont étendu sur tous les korbanot, même les kodashim kalim, même les korbanot d'un niveau de sainteté moins haute. Tandis que Rabbi Shimon, il nous a dit non, Kodashim Kalim, c'est pas la peine. Qu'est-ce qui est pas la peine? C'est pas la peine de faire Merika ou Shtifa. Mais bien sûr qu'il faudra le cachériser. C'est-à-dire, si j'avais mon Korban Shlamim, d'après Rabbi Shimon, mon Korban Shlamim, je l'ai fait cuire le deuxième jour, par exemple, eh bien, il faut savoir qu'à la fin de la tombée de la nuit, le Korban, il va devenir pas soul,
Donc le goût absorbé dans la casserole, ça va devenir assourd. Si ça va devenir assourd, bien sûr qu'il va falloir faire la gala de la casserole. Il va falloir lui faire la gala. Mais ce ne sera pas la peine de le faire en Mérika ou Chtifa, d'après Rabbi Shimon. C'est clair, le principe est clair? Ok, alors on peut continuer. Il y a une petite notion on va l'introduire tout de suite. Rabbi Tarfon Omer, im bishel bo mitrilat haregel, yevashel bo et kol haregel. Rabbi Tarfon nous enseigne. Sache que lorsque, par exemple, tu vas voir Soukhot, premier jour, tu as fait des shlamim, shalmi chagiga, pour les manger. Donc, tu as ta casserole qui a des shlamim. En théorie, tu as le surlendemain maintenant, jusqu'au surlendemain, il faudra lui faire la Mérika ou Shtifa. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'après le premier jour de Chol HaMoed, tu as refait encore une fois un korban shlamim et tu as refait cuire des shlamim dedans. Et bien, tant que tu as continué, premier jour, deuxième jour, troisième jour, donc tu fais ça de manière continue, que tous les jours tu refais cuire dedans des shlamim, pour le moment, tu n'auras pas besoin de faire la Mérika ou Shtifa. C'est la donnée, on va l'expliquer tout de suite. Mais d'abord, juste, on continue avec Rachamim, Vachamim Omrim, Adzman Achila, Mérika ou Shtifa. Rachamim te disent non. Depuis la première absorption du Shlamim, tu as 2 jours avec une nuit, donc, tu ne devras pas dépasser la limite. Tu devras là-bas faire le Mérika ou Shtifa et le laver. De quoi ils discutent? Notion un petit peu plus délicate, maintenant, on va l'introduire. C'est la notion de Hetera Bala. Comme ça, c'est interprété. Non, pour Rabbi Shimon, non, pour Rabbi Tarfon, c'est clair. C'est la notion de Hetera Bala. C'est-à-dire quoi, Hetera Bala? Lorsque il y a un ustensile, on va prendre une casserole. Si j'ai fait cuire de l'aliment taref, alors la casserole, elle absorbait quelque chose qui est assourd. Pour pouvoir cachériser cette casserole, il y a des halakhot bien strictes. Il faut savoir que lorsqu'on en absorbe quelque chose qui était cachère, mais qui devient taref, assourd par la suite, il y a beaucoup plus de permissions de coulot qui sont proposées. De manière générale, même dans l'alakha, la cachérisation des ustensiles à Pessah, on a beaucoup plus de coulot que si on avait un vrai ustensile, si on avait un vrai ustensile de goy qu'on achèterait. Pourquoi? Parce que le chametz, en tout cas d'après le Shulchan Aruch, c'est considéré aussi comme hetera bala. C'est du heter baloua. Ça a absorbé quelque chose qui était permis. C'est devenu interdit que par la suite. Une situation pareille, il y a la même chose avec le lait et la viande. Et un ustensile qui a absorbé du lait, vous avez une casserole de lait. Pour le moment, elle n'est pas taref, la casserole, tant que vous n'avez pas fait cuire de la viande dedans. De ce fait, on va être plus mekel sur sa cachérisation. Il y a la même notion qui va arriver, on n'est pas en train de faire un cours de cacheroute. Je veux juste apporter la notion de ce que ça veut dire hetera bala. Il y a 3 choses dans la Torah où au moment où c'est absorbé, c'est cachère et ça devient assourd par la suite. Il y a justement les korbanot, pendant les 2 jours et le jour du milieu et la nuit, des shlamim par exemple. Pour le moment, c'est permis. Par la suite, ça devient interdit. Le chametz, pour le moment, c'est permis. Arrive Pessah, ça devient interdit. C'est discuté. En tout cas, comme ça, le shlamim reprend. Retient là. Et ensuite, vous avez aussi le lait et la viande. Le lait, c'est quelque chose de permis. Donc si on veut cachériser pour le lait, il y aura beaucoup plus de coulottes. Imaginez, vous avez une casserole, vous voulez la rendre bassarite. Ouais, pas faire cuire de l'interdit dedans. Prendre la casserole de lait, la rendre cachère pour le bassar, eh ben, il y aura beaucoup plus de facilité. D'accord? Beaucoup plus de facilité pour cachériser. Pour quelle raison? Parce que pour le moment, c'est du hetera bala. Ça a absorbé quelque chose qui était permis. Selon ce principe, viens Rabbi Tarfon et lui dit, ben, tu sais, lorsque tu vas faire cuire des shlamim pendant toute la fête, chaque jour tu vas faire cuire des shlamim, kol yom ne'esa gi'ul la chavero. Chaque jour que tu vas passer, que tu vas refaire cuire de la viande de nouveau, eh ben, on considère que premier jour, tu as fait des shlamim, tu l'as fait cuire. Deuxième jour, tu as refait un nouveau shlamim, et tu refais cuire le nouveau shlamim, le shlamim du deuxième jour, dans le shlamim du premier, avec le shlamim du premier jour. On considère que le goût du shlamim du premier jour sort de l'ustensile, se perd, et l'ustensile absorbe de nouveau du shlamim du deuxième jour. Dans ce cas-là, on a repoussé l'échéance de 24 heures. Et tac, troisième jour, tu recommences à faire cuire maintenant un nouveau shlamim. Et alors là, le shlamim du deuxième jour, il va ressortir, il va absorber maintenant du shlamim du troisième jour. Tu repousses de nouveau l'échéance de 24 heures. Et ainsi de suite, ça c'est la vie de Rabbi Tarfon. Chachamim nous disent, non, malgré tout, ça reste interdit. Dans Bartanura, c'est assez flou pour comprendre pourquoi c'est interdit. Le Tifat Israël rapporte que c'est un peu embêtant, mais en tout cas, il rapporte tel quel. Shemani Sharbo mi Baloua Arishon. De peur que lorsque tu as fait cuire
Eh ben, c'est vrai que tu as fait sortir du chlamym du premier jour, mais tu n'as peut-être pas tout fait sortir le chlamym du premier jour. Peut-être qu'il va rester un petit peu de ce fait. À cause de ce petit peu, tu devras faire encore l'America ou Shtifa. Ça me pose, entre parenthèses, problème, parce que le principe de Kol Yom Nesa Gioul Lachaveru, il est utilisé même pour la halakha. Comment ça va s'arranger? J'ai peut-être une des réponses, mais on n'est pas en train de faire un cours de Taharovet, et le Chot. On ne veut même pas faire de Taharovet avec la Taharovet. Hein, on n'est pas en train d'étudier les lois des mélanges, on va pas mélanger les lois des mélanges. D'accord, c'est clair, on a compris le principe. Donc je reprends. Depuis le début de la Mishnah, on a vu d'abord le principe, quels que soient les korbanot d'après Chachamim, d'après Rabbi Shimon, ça concerne que les korban Kodesh Kodashim. Ensuite, deuxième sujet, on a vu, est-ce qu'il y a cette notion-là de réutiliser l'ustensile tous les jours, de manière à ce qu'on va pouvoir dire, Kol Yom Nesa Gioul Lachaveru. Avant que l'ustensile devienne interdit, on va déjà en faire cuire un nouveau korban. D'accord? Discussion entre Rabbi Tarfon et Chachamim. Maintenant, la Mishnah continue, troisième sujet de la Mishnah. En me définissant qu'est-ce que c'est exactement l'Amérique et la Shtifa. Mérika, ça veut dire quoi? Mérika, épuré plutôt. Mérika, c'est Kimérika Takos, comme ce que l'on fait avec un verre que l'on voudrait laver. C'est un peu flou. Ou Shtifa, et c'est quoi Shtifa, le rinçage? Qui est Shtifa Takos, comme on a l'habitude de rincer un verre. D'accord? Donc si vous ne savez pas. Qu'est-ce que ça, comment est-ce qu'on lave un verre? Ben, vous n'aurez pas appris dans cette Mishnah comment est-ce qu'on va faire l'Amérika ou Shtifa. En fait, c'est pour ça qu'il y a une discussion dans la Gemara qui va nous expliquer Mérika avec l'eau chaude et Shtifa avec l'eau froide. Il y a un autre avis qui nous dit non, Mérika, la gala, on n'en parle même pas, c'est sûr que tu as fait la gala avant de commencer. Mérika, c'est que tu laves la face interne, le contenu, le corps, l'intérieur du cli, et Shtifa, c'est que tu rinces aussi à l'extérieur. Tu as une obligation aussi de laver à l'extérieur. Après la gala, ça ne suffit pas de le mettre de l'eau dedans et de le renverser. Tu devras même, aussi extérieurement, faire la shtifa. Ok? Maintenant, quatrième sujet de la Mishnah. On l'a déjà évoqué au début de la Mishnah. Mais maintenant, on va mettre le zoom un petit peu dessus. Mérika avait je me suis perdu. Mérika bachamin ou shtifa betsonen. Ah voilà, c'était dit ici, j'avais pas fait attention. D'accord. Mérika bachamin, on a pris comme l'avis qui nous dit que Mérika bachamin. Mérika, c'est qu'on fait avec l'eau chaude, chamin, l'eau chaude, ou shtifa betsonen, et le rinçage avec l'eau froide. Ashfud ve'askala, magrilan bachamin. La Mishnah m'enseigne maintenant que le shfud, c'est le bâton de brochette, en fer. Ve'askala, c'est la grille sur laquelle on fait cuire la viande. Eh bien, la Mishnah m'enseigne que magrilan bachamin. On pourra les laver, on pourra les cachériser, en fait, avec la haga'ala dans l'eau chaude uniquement. On explique très rapidement une notion d'abord, que vous avez déjà sûrement entendu la règle de kebol o karpolto. Comme tu absorbes, tu devras recracher. Selon ce principe, lorsque je veux cachériser une brochette taref, j'achète des brochettes d'un restaurant pas cachère pour l'utiliser maintenant chez moi, je vais devoir faire le liboun. Pourquoi? Parce que les brochettes, on a l'habitude de les utiliser en contact direct avec le feu et pas en les faisant cuire avec une sauce. Pas un bichoul, mais plutôt une tzlia. De ce fait, pour les cachériser, ça ne suffira pas de le faire la gala, les tremper dans l'eau chaude. Il faudra nécessairement le faire le liboun et les passer au chalumeau. Ça, c'est la règle pour les aliments qui ne sont pas cachères. Pour les aliments qui sont cachères, mais qui deviennent non cachères par la suite, alors là, il y a cette fameuse règle qui va me dire... puisque ça va être du hetera bala, il y aura une certaine permission de pouvoir maintenant leur faire l'America ou Shtifa, comme la Torah nous l'a dit, de faire bouillir dans l'eau uniquement. Et de ce fait, ça marchera, et donc on fera l'America ou Shtifa de nouveau. Magilan Bechamin peut faire la gala dans l'eau chaude, et puis après il le rincera bien sûr dans l'eau froide, et c'est comme ça qu'il cachérisera les brochettes de la khatat. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha, Kol Tov, Sefer Tov.